2018, Piaget unveiled the groundbreaking Altiplano Ultimate concept, the thinnest mechanical watch ever developed and produced as a prototype. 2 years later, the Altiplano Ultimate concept is now a fully developed and tested watch. Even better, it comes with a personalization service called Infinitely Personal that allows you to co-create your own watch. We're visiting Piaget to understand how such an impressive development was made possible. So the tradition at Piaget has indeed always been, and from the beginning really, on this approach and this expertise on ultra-thin and on very elegant design. That has always been the passion behind the watchmakers, always trying to do very, very thin, first of all, components, and then it moved to the entire watches. One of the key milestones that we had in our ultra-thin history was the birth of the 9P caliber. That was in 57, when coming from ultra-thin component, we were able to create one of the thinnest mechanical watch in the world. And 3 years later, in the 60s, we came again, revolutionizing the watchmaking industry with the 12P caliber, which was the thinnest automatic movement in the world. So with this very strong history and DNA, we continued throughout the years and the decades to always reinvent and push the boundaries. And in fact, we have a very incredible motto within the company, which is always do better than necessary. And that has really helped us to develop so many different ultra-thin movements that we have. So it has always been there. Specifically, if we look today at the Altiplano Ultimate Concept Watch, which is an amazing piece of mastery and expertise, it is not only for the sake of the record that is driven by a lot of passion and expertise, but it also to liberate creativity and to be at the service of design. From the 2mm thin caliber that we had in 57, we said, why don't we do a full watch that is in fact entirely 2mm? It was a completely crazy idea. It took us 4 years with our engineers and our watchmaker to completely rethink the watch. And then 2 years to do all the relevant testing to ensure that this watch was as robust as all our watches. So today we have the thinnest mechanical watch in the world, 2mm thin here, that we can own, that we can enjoy in our everyday lives. Pour la première étape, donc nous avons dû nous intéresser donc au principe de construction, où un principe standard n'est pas possible pour une montre aussi fine. Donc nous avons réutilisé en fait le concept de construction des calibres 900 et 910P, où finalement nous assemblons directement les composants du mouvement dans la boîte. Donc la boîte sert également de platine. Et puis nous allons sur AUC encore plus loin, puisque nous n'avons plus de lunettes pour fermer la montre, nous fermons directement avec la glace. Ensuite, pour la deuxième étape, donc pour rentrer dans 2 mm d'épaisseur, nous avons dû donc revisiter en fait tous les organes qui constituent la montre. Donc que ce soit pour commencer donc les mécanismes de remontage manuel et de mise à l'heure, où les traditionnels pignons coulants et pignons de remontoir sont trop épais, même affinés à l'extrême. Donc pour y pallier, nous avons donc développé une vis sans fin qui était complètement inconnue pour nous. Donc nous avons mis à peu près 5 ans à fiabiliser la fonction. Ensuite le barillet qui pivote maintenant sur des billes et non plus sur un axe entre pierres comme un barillet classique. Nous gagnons une épaisseur de niveau avec l'affichage car l'aiguille des heures est au même niveau que le cadran. Et puis l'organe réglant, également un gros morceau où nous revisitons tout. Nous n'avons plus d'axe, donc il ne tourne plus entre pierres, mais pivote sur des billes. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on n'a plus besoin de pare-choc. Les chocs n'ont pas d'effet néfaste sur lui. Par contre, l'organe réglant, c'est certainement ce qu'il y a de plus pointu dans une montre. Donc également 5 ans d'apprentissage pour comprendre et le caractériser et pour arriver à le fiabiliser. Et puis, encore un élément très très important, c'est la glace. Donc la glace fait certes 0,2 mm d'épaisseur, c'est très très fin, mais nous avons bien étudié donc son comportement dynamique. Nous réutilisons un brevet donc du 900 et 910P qui fait qu'en cas de choc, la glace en fait elle vient s'appuyer sur les ponts qui sont légèrement plus hauts que les autres éléments du mouvement,
Et puis, donc, lors d'un choc, la glace en se déformant ne vient pas arrêter la monte, ne vient pas dégrader un composant. Et de cette façon-là, on arrive aussi à gérer sa déformation et qu'elle ne casse pas trop vite et qu'elle ne se déchasse pas non plus. Donc là derrière, ce qu'il faut voir, c'est que sous cette glace très très fine, il y a tout un comportement dynamique qu'on a étudié, qu'on a optimisé. Nous avons choisi un alliage de cobalt qui soit suffisamment rigide pour qu'en cas de choc, en cas de torsion de la boîte, nous ne dégradions pas les fonctions. Ensuite, nous avons dû apprendre à usiner ce matériau. Donc, c'est très dur à usiner. Ça nous a pris beaucoup de temps pour le maîtriser, pour le terminer aussi, le polir, le satiner, le cercler, etc. Et puis, nous avons dû également étudier le fait de la biocompatibilité, hein, qui soit portable sans problème. Altiplano Ultimate Concept, it's a fantastic human experience that started 6 years ago. Human experience because it was really a challenge for the small team that worked on this project to reach this mythical thickness of 2 millimeters from the 9P caliber. Altiplano Ultimate Concept, this is the ultimate Piaget experience. Ultimate because we combine it to the infinitely personal concept which makes the customer to be able to choose, to personalize, to customize his watch upon his wishes. It is really in the tradition of Piaget that is doing made to order and that is doing customization on his exclusive pieces from the 60s. We want you to really experiment the infinitely small of Piaget, the ultra-thin know-how. We are not anymore in ultra-thin, we are in extreme ultra-thin. And we want you to experience what our watchmakers are doing at La Côte aux Fées, how far they push forward the boundaries of ultra thin. In the boutique, with the configurator, the customer can select all the components he wants to customize. He can choose the color of the case, the color of the bridges, the color of the back of the movement, the color of the hands. You can also select what he wants to engrave on a specific plate on the movement. Of course, at the end, you can select the strap and the best colors that will match the configuration he made.